Lengo fanele ya kolonga yoni susu te. Susu te. Nimo nyati ya tikali na makolona yon. Apoyi makalika. Bien aimé, nous sommes dans notre deuxième partie, le bénéfice de la Pâque. Wana tokoti na etena mibale na kati na litomba ya pasiki. Dans la vie du chrétien. Na pomo ya mokristo. En notre terme, le bénéfice de la résurrection de Jésus Christ. Na loreke mosusu ezelinde litomba ya lisengwa na Yesu Christo. Dans le verset 13, na molongo ya zomi na misato, chapitre 12 d'Exode, na mokanda ya Exode chapitre 12, la Bible dit, Bible lobi, le sang que vous mettrez sur le poteau ainsi que sur les lenteaux de vos portes, makila oyo kokotia na mikuke ya bandako pe ba lenteaux ya ndako na bino, il vous servira de signe. Yango kozala nde elembo po ya bino, pendant que l'ange de la mort passera, na ntango mwanja liwa akoya koleka na toute porte qui aura la marque du sang. Il y a que l'ange de la mort puisse frapper dans cette maison. Il passera par-dessus. Il va épargner la maison. En d'autres termes, le signe du sang sur la porte était un langage de vie. Et cela qui est maloba ya bomoi pour la maison qui détenait la marque du sang. Pendant que oyo bibai et le bona makile sera cessé parler. Makile ya moi c'est koloba. À l'ange de la mort. Kolobe la mwange liwa. Vous ne devez pas tuer si. Kolobe lete okoboma awate. Car moi j'ai déjà été tué. Pwete ngai na sila ki déjà kobomama. À la place de cette maison. Na esika ya baye libota oyo. Pendant que l'ange de la mort pouvait passer, dans des moments je lui vois avec les gars, toute maison qui avait le signe du sang à la porte, c'était un langage de protection, c'était un langage d'épargner la vie de celles qui étaient dans la maison. Comme pour dire dans cette maison, personne ne sera touché, personne ne tombera malade, personne ne mourra. Kaya na nyoki a été immolé à la place. Alors dans notre vie chrétienne, aujourd'hui le bénéfice de la marque du sang, le loli tomba ya elebo ya makila. Lorsque tout chrétien est porteur du signe du sang de Jésus, cela dit au diable, cela parle au démon, vous ne faites pas droit de toucher à cet individu. Car Christ est mort pour lui. Christ s'est donné à sa place. Christ a souffert à sa place. Il est préservé de la mort. Il est préservé de la maladie. Il est préservé de la souffrance. Voilà pourquoi aujourd'hui, le bénéfice de la Pâque dans notre vie en tant que chrétien, Christ était mort. La mort n'a pas vaincu sur lui. Il est ressuscité après deux jours. Le troisième jour, il était ressuscité. Pour dire que Christ a vaincu la mort. Lui qui est mort. À notre place, nous en tant que ses adeptes, nous en tant que qui croyons en lui, Liwa poisson de loyauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant? Ah, bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième bénéfice de la Pâque, l'intombe est mis par les bonnes à pas ce que nous avions dit hier. Dans l'église, il
Il y avait pleurs dans chaque maison des Égyptiens. Nantako bazai kolela nantako nyonso bana Égypte. En d'autres termes, Dieu avait exercé son jugement. Zambe a salaki konsambisa na ye. En d'autres termes, Dieu avait frappé. Zambe a tapolaki les ennemis de son peuple. Bangula ya bana na ye. Les ennemis de ses enfants. Bangula ya libota na ye. Pendant que Christ est ressuscité, nantako Christ a sekwi, Satan est vaincu. Satan a pe a longi sami. Satan est vaincu. Satan a pa longi. Lui qui croyait que Christ n'allait pas ressusciter. Ye oyo ke lisaki te Christ ko sekwa te. Alors quiconque te rendait la vie difficile. Boye moto nyonso oyo azali ko nyokolo yo. Quiconque était ennemi de ton bien. Moto nyonso azalaki monguna ya bolamu na yo. Jésus-Christ ressuscité. Yesu Christ oyo sekwi. Il fait exercer son jugement sur la vie de nos ennemis. Yeah, à cause de ça, Baguna n'a pas besoin d'eux. À notre terre. Na lolenge mosusu. Oh, la cana qui m'a mal, corona yo m'a mal, kozoye moko. Oh, la cana qui ni wana yo, yo moko koko fani wana yo. Koko fani wana yo. Oh, la cana qui yo kota na kuya koko ta na kuya koko na yo. Oh, la cana qui yo kota na rabi, ya kota na rabi yo pa muama. Oh, kota na rabi yo kozoa. Nous sommes toujours dans notre passage d'hier. Exode chapitre 12. Le verset 13. Nous sautons, nous lisons 29 jusqu'à 36. Puis nous lisons Matthieu chapitre 28, le verset 1 jusqu'au 6e verset. Matthieu chapitre 28. Les saints vous serviront de signes. Si la maison où vous serez, je verrai les saints et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Et je frapperai le pays d'Égypte. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Venef. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier né dans le pays d'Égypte. Depuis le premier né de Pharaon assis sur le trône. Jusqu'au premier né du captif dans la prison. Jusqu'à tout le premier né des animaux. Pharaon se leva de nuit. Lui et ses serviteurs. Et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte. Quand il n'y avait point de maison où un nid est mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Pharaon leur dit, levez-vous, sortez du milieu de nous. Vous les enfants d'Israël, allez servir votre Dieu. Prenez vos brebis. Vos bêtes. Comme vous l'avez dit. Bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays.
Car il disait, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle ne fît lever. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et d'or. Et de vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Matthieu 28, le verset 1 jusqu'au 6e verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour, à partir de mon samedi, qui n'a pas Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Marie, babenga qui est Magdala, mais Marie a mosusu, va kende qui na lilita, boya kotala. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre. Wana babenga, il y en a qui m'a cassé, pétia, pour être moins, je n'en savais pas, qui t'a qui colombo la libanda, a si pas qui n'a monoko ya lilita. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes tremblèrent de peur et de vœux comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Vous cherchez Jésus qui est ressuscité.